Ok. Allez, les gars. Aujourd'hui, dans ce pays, deuxième. Pour moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas ouvert les yeux, puisque le temps maintenant veut que je devienne vieux. Et pourtant, je ne me suis pas vidé la tête, puisque les souvenirs du présent sont quant à eux. Toujours dans mon esprit, de petits chanteurs minables, de petits gamins indécis qui fait de la vie un drame, qui veut que son existence soit comme une sorte d'histoire, et rêve que ça commence et que ça finisse un soir. Mais je me suis réveillé et je me suis retrouvé comme un con, un peu déçu de la réalité, en regardant les guerres, les religions, en contemplant les massacres. J'ai rien trouvé de mieux qu'écrire un couplet bidon sur un air à moitié vaseux. Mais regardons-nous un peu avant de foutre la merde ailleurs. Est-ce nous les plus mieux, est-ce nous les meilleurs? Voici c'est nous, permettez-moi, mais le niveau est bien bas. Non, je ne critique pas, je constate les dégâts. Oui, vous avez raison, je ne suis qu'un chanceux. Je vis dans une maison et je n'aurais sûrement pas fait mieux. Mais c'est comme ça, les chances, c'est la base de la décence. Que la nature humaine et la couleur, pas d'importance. Rabâcher que tous les êtres humains naissent vivre libre et égaux en droit. Mais moi j'ai bien regardé, on s'est sûrement planté de chemin. Regarde un peu plus loin que le bout de tes doigts. Y'a pas que les grandes télés devant tes jolis yeux. C'est à ton tour de penser, de voir plus loin que la mer. De quoi tu crois qu'il serait temps que ce soit à eux de vivre tranquillement à l'abri des bombes de l'enfer? Est-ce normal que des hommes se tuent pour un bout de pain? Tant de monde dans la rue, le gouvernement qui ne fait rien. Seul chaos sur le monde, aïe aïe aïe, ça sent la faim. Et dans les pays riches, on cultive son jardin. Chose à changer, à part peut-être la police qui surveille ton quartier. Mais est-ce que ça te rassure vraiment de croiser autant de flics? Bonjour, bonjour, monsieur l'agent. Non, je n'ai pas de shit. Et allez-y, regardez par là. Mais vous ne trouverez rien. C'est peut-être un peu tabac, mais pas le moindre joint. Et allez, hop, c'est parti. On va procéder à une fouille. Non, je veux pas être mal poli, mais j'aime pas trop qu'on me tâte les couilles. Ouais, dans ce pays, c'est ça. Un semblant d'insécurité parce que les jeunes ne comprennent pas qu'aujourd'hui faut se la fermer. Ouais, dans ce pays, c'est ça. Un semblant de méfiance de la part d'une population qui n'aimerait plus que la violence. Mais eux, ils adorent, ils vénèrent la France respectée. Mais où est passée cette valeur quand on nous parle d'immigrer, la misère juste en bas de chez toi? Ne dis pas. Tu n'en vois pas celle qui te demande quelques sous pendant que toi tu traces tout droit. C'est là que c'est pas normal quand l'être humain ne vaut plus rien. Quand un pauvre homme dans la rue demande juste un bout de pain. Mais le système continue, on va pas s'arrêter comme ça. Non, on va construire une élite et si t'es pauvre, et pas tais-toi. Mais le temps passe, tic-tac, c'est pas prêt de changer, non. Puisqu'il faut faire du chiffre, alors restons à calculer. Le temps passe, tic-tac, et la peur monte dans les villages. Puisqu'il faut faire du chiffre, bah regarde celui du chômage. Le temps de la remise en question d'un système qui est dans une impasse. Dire non, c'est penser, alors pensons à ce qui arrivera si on ne change pas le temps qui passe. Mais je me suis réveillé et je me suis retrouvé comme un con, un peu déçu de la réalité, en regardant les guerres, les religions, contemplant les massacres. J'ai rien trouvé de mieux qu'écrire un couplet bidon sur un air à moitié vaseux. Regardons-nous un peu avant de foutre la merde ailleurs. Est-ce nous les plus mieux? Est-ce nous les meilleurs? Si c'est nous, permettez-moi, mais le niveau est bien bas. Non, je ne critique pas, je constate les dégâts. Oui, vous avez raison, je ne suis qu'un chanceux. Je vis dans une maison et je n'aurais sûrement pas fait mieux. Mais ce que vous appelez chance, c'est la base de la décence. Dieu, la nature humaine et la couleur, pas d'importance.